Au CHU de Poitiers, près de 1000 opérations ont déjà été reportées dans tous les services. Les médecins ne cachent pas leur inquiétude pour les semaines à venir. Si demain on est appelé à déprogrammer des patients pour cancer, là effectivement se poseront la question de la perte de chance. Mais comme je vous le dis, les opérer aujourd'hui dans ce contexte-là, ça peut être en soi une perte de chance aussi. Bonjour à tous, je vais donc vous donner quelques informations concernant l'épidémie de coronavirus qui nous occupe actuellement. Si on compare avec les épidémies antérieures de SRAS, il y a beaucoup plus de cas, mais la mortalité n'est pas la même.